Ici la Réunion, t'es maman, nina, toute nation. Oh, l'engage, la maille, mon aimé, la fait rayonner. Ici la Réunion, nina, toute nation. L'engage, la maille, la fait rayonner. Bon, ben, déjà, merci pour l'invitation. Vraiment, hein. Je me présente à moi, je m'appelle Nicolas Florence, et moi, c'est le directeur de l'Association des Réunions. La présidente, c'est Amandine Balerlan, qui est juste ici. L'Association des Réunions, c'est une association d'agriculteurs. Du moins des gens issus du monde agricole. L'idée pour nous, c'est de réimplanter la culture du riz à la Réunion. Comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment réimplanter. Parce que dans notre histoire, planter du riz, mais pas n'importe quel riz, la première information que ce qui doit avoir et vraiment comprendre, vraiment digérer, c'est que le riz, ce n'est pas une plante aquatique. Et ce ne sera jamais une plante aquatique. L'algue est une plante aquatique. La laitue d'eau est une plante aquatique. Le riz, il pousse dans la terre. Et même quand on a l'impression qu'il est dans l'eau, dans la rizière, il est dans la boue, et la boue, c'est de la terre. Si nous plantons riz dans les autres pays directement dans l'eau comme ça, c'est beaucoup plus pour une technicité agricole. C'est pour éviter en fin de compte le travail des mauvaises herbes, du désherbage, enlever les mauvaises herbes. Qui dit on lève pas les mauvaises herbes, peut dire en fin de compte que derrière on aurait pu beaucoup plus compétitif que si on met une main-d'œuvre à l'intérieur. Vous comprenez? Le riz, c'est une plante qui pousse directement dans la terre. C'est une plante tropicale qui pousse dans un milieu tropical. Ici, il semble à moi qu'à la Réunion, on est dans un milieu tropical. OK? Donc, l'idée pour nous, ici à la Réunion, du moins à l'association Riz Réunion, c'est de réimplanter cette culture du riz. Quand on dit azote réimplanter, c'est-à-dire que si on regarde un petit peu dans les pages de l'histoire, dans les historiens ici, en 1828, ici, tiens bien cette chaise, hein, il y avait 1200 hectares de riz. Du riz qui poussait directement dans la terre. D'accord? Et ça, 1200 hectares, c'était uniquement sur les flancs de Saint-Paul. Là où ils plantaient vraiment le riz, ici à l'île de la Réunion, c'était, pour faire un gros effort d'imagination maintenant, c'était Saint-Denis, sur les côtes de la Bretagne, et surtout du côté de Sainte-Suzanne. C'était les endroits où ils plantaient le riz. Même nous, on devrait poser la question à un moment donné, même en tant que créole, où c'est sur ces endroits calmes. Vous avez tout à voyager ici, comme moi, comme vous avez n'importe qui à voyager. Où c'est sur le zone vocale? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, dans cette diversité culturelle à laquelle nous sommes en train de parler, nous sommes mariés à manger un riz mélangé avec pommes de terre, avec des petits pois, avec des haricots à l'intérieur? Ils sont forcément quelque part, ça. Mais ils sont en fin de compte avec l'histoire de la Réunion, l'histoire même de l'implantation de l'humain, s'il fallait à un moment donné, bien évidemment, manger. D'accord? Et donc, encore une fois, donc notre travail à nous, c'est de réimplanter cette culture directement dans la terre. Nous avons travaillé donc depuis 2019, hein, nous l'accompagnons avec beaucoup avec le conseil départemental, beaucoup avec d'autres institutions, notamment avec le TCE aussi. Et nous avons retrouvé une semence ancienne. L'idée pour nous, quand nous avons retrouvé cette semence ancienne-là, nous l'avons un tout petit peu comme ça, hein, avec un vieux grameau, encore une fois, que l'avait gardé cette semence-là pendant X années, à l'abri des caméras, à l'abri de tous les médias. Il avait gardé cette petite semence-là, et tous les ans, dans son petit coin, comme un chef comme un gaulois sur son montagne, le Silaos, précisément, et bien, il a planté ce riz-là. Et il a conservé. Nous la rencontrons à nous. C'est là qu'à un moment donné, le courant a bien passé, parce que lui, c'est quelqu'un qui aime beaucoup le riz. Nous l'a commencé à travailler ensemble. Quand on a travaillé ensemble, nous l'a mélangé nos façons de travailler. Quand on a mélangé nos façons de travailler, nous avons très vite compris que la semence a manqué à nous. Il va falloir multiplier cette semence-là. Et donc, pendant quelques mois, voire même pendant quelques années, nous l'a multiplié cette semence. Aujourd'hui, nous n'est n'a cette semence. Il appelle ça le riz paddy. C'est attirant d'être cas à soi, si tu prends le riz, si tu mets dans la tête, il ne peut pas pousser d'un point le germe. Le riz paddy, c'est ça que tu as vu ce matin, directement là. C'est ça que tu n'auras bientôt dans 4 mois, si tu as pris les petits plants. C'est un riz où il y a une petite écorce tout autour, c'est le riz de semence. D'accord? Donc on a multiplié ça. Il n'y a pas que ça. Il a fallu aussi créer ce qu'on appelle l'itinéraire technique. L'itinéraire technique, c'est un mot un peu compliqué comme ça, mais en fait, c'est très très simple. C'est juste le mode d'emploi de la plante. C'est-à-dire comment planter un riz depuis tout petit, arriver jusqu'à la culture finale, jusqu'à la récolte. Nous l'avons créé, ça, avec l'environnement réunionnais. Nous l'avons parti bien plus loin que ça. Aujourd'hui, nous travaillons, en fin de compte, sur toute la création de la riserie artisanale. La riserie, il faut savoir que quand on plante du riz, il est bien beau de planter du riz, d'avoir une belle plante, ou même pour un carreau de riz, si vous voulez. Mais si demain matin, on n'a point les outils nécessaires pour pouvoir usiner le riz, eh bien, le riz va rester en paddy, le riz va rester en semence, on ne pourra jamais manger. Quand on récolte le riz et le riz qui arrive dans votre assiette, messieurs-dames, que ce soit ce midi ou ce soir, vous avez 10 étapes de transformation. 8, 5, mais 10 aujourd'hui à l'île de la Réunion avec les normes européennes. Et bien tout ça, sur ces 10 étapes de transformation, on doit avoir 5 à 6 machines. Toutes ces machines-là, il faut les acquérir.
Tous ces machines-là, il y a un certain coût, il y a un savoir-faire derrière, et bien évidemment, il faut former les gens pour pouvoir utiliser ces machines-là. Notre but aujourd'hui, donc, c'est de créer cette crise artisanale-là, mais notre but au premier aujourd'hui, c'est de, un, à l'association des réunions, c'est de créer de la semence, de former les agriculteurs. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y en a 83 agriculteurs, les venus vers nous, on n'a pas parti chercher ça. Parce que peut-être qu'ils sont là, le vent qui commence à tourner. Tout le monde pense à un moment donné que le vent commence à tourner, il va falloir à un moment donné créer ce que nous met dans l'assiette chaque jour. Et donc vous êtes venus vers nous aujourd'hui pour pouvoir planter le riz, pouvoir planter le riz. Il faut d'abord être formé, donc création de semences. Former les agriculteurs. Et une fois que vous avez formé, on ne peut pas laisser d'autres sur le carreau comme ça, ce n'est pas un riz de semences. Et donc l'idée pour nous, c'est de mettre à disposition toute la riz artisanale pour que demain matin, quelqu'un, un agriculteur, voire même un particulier, qu'il y a planté un carrelé, quoi que ce soit, ben, il est capable de venir demain matin et de dire « Ah ben, mal implanté, il donne à ma famille mon riz qui m'a implanté. » C'est ça le but de l'association Riz Réunion, c'est de réimplanter la culture du riz à la Réunion, parce que ce n'est pas une idée, messieurs les médiateurs. Ce n'est pas une idée, c'est une nécessité. Là. Si nous ne mangeons pas de riz, nous n'avons rien dit. Mais il semble à moi, il y a comme un abus de trois parmi les blagueurs. Voilà. Donc voilà, on a voulu présenter un petit peu, bien dire brièvement, ma trace diagonale un petit peu dans les actions, dans le travail même que nous fait. Et lui propose maintenant, si ça qui veut bien, si ça a des questions vis-à-vis de tout ça, ben c'est avec grand plaisir mais essayer de répondre au maximum. Merci. Alors, juste deux autres, je lui prépare un petit peu, mine de rien, il ne faut pas croire. Hein. Mais comme on a posé, pour pas prêt. Dans moins d'une minute, après nous allons échanger avec la salle. Si il est aussi prolixe en semences que j'étais prolixe en creusement là, ça gagne là. Si vous avez des questions là, ça, autour de cette expérience-là, c'est le moment où j'avais posé. Bon, on y connaît les 14, non les 15 heures maintenant, on y connaît les 15 heures, un peu de machin, mais bon, il faut poser quand même. Juge de donner des règlements. Oui, juste. Je suis une remarque, ce n'est pas une question, c'est une remarque. Oui. Allons supposer que doucement, doucement, comme ça, tipa, du produit du riz à la Réunion. Oui. Qu'est-ce qui va se passer quand les importateurs vont savoir que nous sommes capables de produire, c'est moins malé là, vont savoir que nous sommes capables de produire du riz, je ne sais pas, 3 tonnes hectares, oui. 8 tonnes hectares, oui. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, je peux répondre très clairement à cette question-là. Aujourd'hui, déjà chronologiquement, nous les plus dans les années 80. En fin de compte, effectivement, l'île de la Réunion est très mêlée avec une histoire du riz, mais très politisée. D'accord ? Il y a eu quelques petites cassures ici et là, effectivement, même de belles engueulades. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas du riz ici à l'île de la Réunion. Donc aujourd'hui, nous en 2022. Et pour reprendre le terme qu'on utilise, voilà les importateurs dont nous parlent là. Ben aujourd'hui, ils ont franchement le principal. Il y a d'amis énormément. Comme ils ont énormément, on ne peut pas parler comme ça parce que maintenant, tout le monde a quand même l'autorisation. Hein. Le plus gros importateur de l'île, si ce n'est pas l'île là derrière, ben, on aurait énormément de difficultés. D'accord ? On a le Conseil Général de façon publique, mais on a aussi des acteurs privés derrière. Nous n'êtes plus dans les années 80 à rechigner, à dire ah ben c'est une plante au riz, attention à la canne. Parce qu'à chaque fois qu'on parle du riz, on met en dualité avec la canne. Maintenant, la Conseil, ça fait classer 22 500 hectares de canne. D'accord ? Mais on parle pas de dualité, mais on parle de complémentarité. Moi, j'adore le riz, c'est mon temple, c'est ma chapelle, mais j'adore ça. Mireille de ça, le soir, mais pas quoi, mais j'adore ça. Okay ? Mais par contre, maintenant, franchement, même en tant que planteur de riz, tous les ans, mais ça coûte la canne. Parce que les traditionnels, parce que c'est mon pays, parce que j'aime ça. S'il vous plaît, la question, c'est pas la canne. Oui. La question, c'est quel modèle économique il fait pour pouvoir produire du riz à la Réunion. Et des prolongements, hein. Oui. Moi, bon, mais persuadé que c'est pas l'autonomie alimentaire de la Réunion qui est en question, c'est l'autonomie alimentaire des Réunionnais. C'est-à-dire comment tu fais pour que à la cantine, dans tous les établissements oui. publics, tu proposes du riz produit à la Réunion. Ben, on va parler un petit peu techniquement voilà. vis-à-vis de ce qu'on vient de dire. Pas trop technique. Alors, non, pas trop technique. Pas trop technique. Ne faites jamais cette erreur. Ne laissez pas le micro à Jules, sinon il fait conférence. Récupérez le micro. Voilà comment on lance des rumeurs. Quand on parle en fait d'autonomie alimentaire, moi, m'y propose à vous, en fin de compte, d'aller régler un petit peu les jumelles. Ah non, ne pas voir aussi loin que ça d'un seul.
En fin de compte, avant de parler d'autonomie alimentaire, il faut absolument parler de sécurité alimentaire, monsieur. La sécurité alimentaire, il passe par deux éléments. L'obtention de la semence et la façon de planter, l'itinéraire technique. On ne pourra jamais arriver à une autonomie alimentaire si on n'a point de semence et si on n'a point la technicité derrière. Mais il n'arrête pas là. C'est-à-dire, si on parle à main d'autonomie alimentaire, avant même, il ne faut pas parler à main de la dernière phase, c'est-à-dire la phase productive. Nous l'est toujours, ici à l'île de la Réunion, en train de parler de l'autonomie alimentaire en prenant le dernier maillon de la chaîne. Mais en fin de compte, avant les 43 000 tonnes, on importe 43 000 tonnes ici à l'île de la Réunion. Aujourd'hui, c'est des chiffres au sein de l'association Kunena, nous l'a diffusé, hein, ça fait 3 ans qu'on est là-dessus. Non, au moins un tiers que ça va à la poubelle. Ce qui veut dire, avant de mettre des graineries, monsieur, dans la terre, il faut d'abord nous régler le gaspillage alimentaire. Il faut d'abord que c'est nous qui réglons. Produire 43 000 tonnes, le riz, c'est l'élément végétal le plus consommé sur nous. 43 000 tonnes de riz, ça sera compliqué parce que ça va remplacer, monsieur, encore une fois, l'autonomie alimentaire, ou ça va remplacer une monoculture par une autre monoculture, mais n'y crois pas, en fin de compte, que c'est là-dedans qu'il faudrait aller. Il faudrait aller sur une diversité, encore une fois, une diversité culturelle, mais une diversité aussi agricole, à côté d'un champ de riz, ou planter un carreau de patate, ou planter un carreau de manioc, parce que c'est ça que je veux faire de manière à Alors, Claude, une dernière question et après on fait la transition. Vous avez un peu répondu à la question. Ben, ce qui me semblait aussi. Ce que vous précisiez, c'est sur quel espace agricole on va pouvoir planter le riz en complémentarité, puisque la Bretagne c'est surpeuplé, partout les Hauts-de-Saint-Paul c'est surpeuplé. Où est-ce que nous avons encore des espaces agricoles que nous pouvons partager avec pour la plantation du riz? Oui, merci. Oui. En fait, on a un magnifique terrain jeune ici à l'île de la Réunion, il fait 5000 hectares. C'est le terrain maraîcher. C'est là où nous produisons les fruits et les légumes. Souvent, on devrait nous regarder encore une fois la canne, nous cibler sur la canne, parce que c'est 22 500 hectares, elle est énorme. Si nous avançons un petit peu, moi, allez, honnête avec vous, demain matin, vous voyez très bien, il n'y a pas besoin de faire Saint-Cyr pour le comprendre, qu'il va falloir à un moment donné réduire le champ un petit peu de la canne à sucre. Ici, il va le falloir. Il va falloir passer par ça. La Réunion l'a connu le café, la Réunion l'a connu le poivre, la Réunion l'a connu le géranium, la Réunion l'a connu les grandes période de la canne, tout simplement. Et peut-être qu'aujourd'hui, nous sentons quelque chose arriver qui va falloir à un moment donné affronter, c'est-à-dire planter quelque chose qui ressemble à nos assiettes. Merci beaucoup pour cette intervention, donc, Réunion. Alors, dernière semence pour ceux qui ne les ont pas encore vues, vous pouvez les récupérer, puis nous va mettre sur tous les moyens de communication, les contacts, si vous êtes intéressé, si vous voulez aller voir ça de plus près, vous pouvez aller du côté de Saint-Paul. Oui. Merci beaucoup. Mais de rien. Merci. Voilà. Ici la Réunion, t'es maman, nina toute nation. Oh, langage la maillée, mon aimé.